Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Momo avec vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale sur ma chaîne YouTube puisque je vais vous présenter la 7ème partie de mes achats hebdo de juillet. Alors je tiens à vous préciser que une fois de plus c'est du 100% Hot Wheels et j'ai tout trouvé en Allemagne. Donc on commence tout de suite avec du beau et cette magnifique Mazda RX-7 de 1995. Ensuite nous avons une McLaren F1 GTR. Ensuite, nous avons une McLaren F1. Ensuite, nous avons une Ford GT de 2017. Ensuite, nous avons une Copo Camaro de 1969. Ensuite, nous avons une Nissan Z Proto, donc deuxième variante dans la collection. Ensuite, nous avons une Mustang 2+2 Fastback de 65, donc troisième variante ou quatrième variante dans la collection. Et ensuite, nous avons une Koenigsegg Gamera. Donc, on se retrouve tout de suite sur la table pour voir tout ça en détail. C'est parti! Donc voilà les amis, on est sur la table et on commence tout de suite avec le premier modèle qui est la Mazda RX-7 de 1995. Je la trouve superbe hein, en sérigraphie Falcon. Donc on avait déjà une miniature l'année dernière dans cette sérigraphie. Bon, on n'a pas les tempos, mais c'est normal parce qu'il y a toute la sérigraphie Falcon, comme j'ai dit avant. Bon, le gros logo Mazda là, voilà. Les roues blanches qui vont bien avec. Et pas de tempo à l'arrière, mais ça reste relativement détaillé. Donc c'est le numéro 171 sur 250. Et elle fait partie du Hot Wheels Drift. Ensuite, nous avons la McLaren F1 GTR. Donc celle-là, c'est pareil. Elle est superbe. Ça doit être la deuxième variante dans la collection. Avec toute la tempo à l'avant, même les feux. Pas de tempo à l'arrière. Mais ça reste relativement bien détaillé. Et des roues orange. Qui rappelle bien la carrosserie, notamment le bas orange et les barres orange qu'on retrouve dessus. Donc c'est le numéro 57 sur 250 et elle fait partie du Hot Wheels Retro Racer. On a ensuite la McLaren F1, donc là c'est le modèle de base, donc Ryu Rider, hein, avec une tempo complète à l'avant. Et bien sûr, une tempo complète à l'arrière. Et je trouve que la couleur noire, ça lui va super bien. Donc c'est la numéro 107 sur 250 et elle fait partie de la Factory Fresh. Voilà. Ensuite, nous avons la Ford GT de 2017. Avec une tempo complète à l'avant. Même le logo Ford. Deux barres qui vont jusque derrière. Des roues noires qui vont bien avec la carrosserie. Et pas de tempo à l'arrière, mais c'est détaillé. Donc c'est le numéro 157 sur 250 et il fait partie du Hot Wheels Turbo. Ensuite, nous avons la Copo Camaro de 1969. Donc là, elle est en Trackstar. Donc, pas de tempo à l'avant. Mais une belle petite tempo latérale. Qui est aussi sur le capot. Et pas de tempo à l'arrière. Mais c'est pas grave. Hein, parce qu'elle est quand même superbe. Donc c'est la numéro 193 sur 250. Et elle fait partie de la Muscle Mania. Ensuite nous avons la Nissan Z Proto. Alors celle-ci je vous l'avais déjà présentée en jaune. Hein, j'avais déjà dit qu'elle était superbe. Et en blanche elle ressort aussi super bien. Donc avec la tempo complète à l'avant. Et à l'arrière, hein, comme la jaune. Donc voilà, hein, je vais pas m'éterniser dessus. Et c'est le numéro 124 sur 250. Et qui fait partie de la Factory Fresh. Ensuite, nous avons la Ford Mustang 2+2 Fastback de 1965. Et elle, c'est pareil, elle est superbe. Hein, avec un petit liseré en bas.
une belle tempo qui va de devant jusque derrière. Bon, pas de tempo à l'avant ni à l'arrière, mais sur ce modèle, on a l'habitude. Il reste tout de même somptueux. Et c'est le numéro 192 sur 250. Et il fait partie de la Muscle Mania. Et pour terminer, nous avons la Koenigsegg Gamera, donc première variante dans la collection, avec une petite tempo complète à l'avant, une petite tempo là sur le côté, et une tempo complète à l'arrière. Je trouve ce moule super bien réussi, comme la Koenigsegg Zesco. Donc c'est le numéro 138 sur 250 et il fait partie de la Hot Wheels Turbo. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour se dire au revoir. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt. Allez, bye bye les amis. Tchuss!